بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي رحمة للعالمين وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons le chapitre le tawadu, l'humilité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith 331, Imam al-Tirmidhi, rahmatullahi alayhi, rapporté, haddathana Ali ibn Hujr, anba'ana Suwaid ibn Abdul Aziz, an Humayd, an Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, donc Sayyidina Anas, radiyallahu ta'ala anhu, rapporté, anna mra'atan ja'at ila al-Nabiyyi, sallallahu alayhi wa sallam, فقالت له ان مدام فين فين جت رسول الله صلى الله عليه وسلم فين ديالي دونك مدام لا سيتام ان علماء جانو كي ليابيل ام زفر اي سي ما شيطاتو خديجه سا فيديا سي كوافيز دو خديجه رضي الله عنها كي فيديا كوافيز سان دوت تي با فيديا سا مانجي مون كي نو تروفي اجوردي كي في فينالمون فير بوكو فيتنا مي سي ان فونكسيون كي تينا سا ليبوك لا. Par exemple, il y a Mashita, de petite fille de Pharaon, ou soit madame de Pharaon, qui a une grande mention auprès de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons ces histoires dans la nuit de Mi'raj, quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il passe sur le Kabar, il n'y a pas de fin. Donc, celle-là, Mashita veut dire c'est celle qui servit un pays, donc une fonction qui tient à l'époque-là. Alors, Banoulama dit nous que madame-là tient un petit peu de problème sur la tête, ça veut dire qu'elle tient un petit peu retardée. Quand on tient un petit peu retardé, alors ça comme Imam Muslim rahmatullahi alayhi rapporté. Alors ça madame là, fin vite get Rasoul sallallahu alayhi wasallam in jali inna li ilayka haja. Jali mo besoin où? Qui veut dire ça? Ça veut dire mo besoin cause avec où? Une façon qui une cause privée que les autres pas capable d'entendre. Donc madame là, elle a quelque chose, il besoin de demander Rasoulullah sallallahu alayhi wasallam, il veut cause ça avec lui. Alors là, nous maintenant dans le contexte, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam retrouvé avec divine madame qui bisait cause avec lui. Cette madame-là, qui s'en là, c'est une madame qui, comme nous trouvons, est un petit peu retardée. Une madame étrangère. Une madame qui n'est pas mahram. Alors, beaucoup parmi nous sont capables de dire, ça, cette madame-là, pourquoi elle perd mon temps avec lui, déjà sur la tête, un petit peu retardée. Il y a beaucoup de monde, à ce moment-là, je suis capable de trouver qui j'étais un mieux à faire. J'étais un pas gagner le temps. Alors, capable de dismiss madame là, dire non, mais après, moi, je vais nous, soit pas connaître. Beaucoup de monde fait ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam n'est pas comme ça. Alors, il finit de donner madame là l'attention. Dans quelle façon? Il dit, ijlisi fi ayi tariqil madinati shi'ti, ajlis ilayk. Assise dans n'importe qui, on traduit littéralement là, assise dans n'importe qui, s'y met de Madina, vous pouvez venir assise ensemble avec vous. Alors, qui veut dire ça? Ben, voilà, moi, donne-nous plusieurs explications. Premièrement, question, qui fait l'ossimé? Alors, possiblement, qui madame là, on connaît peut-être ce travail, ce fonction, c'est ça, ce milieu. Déjà, nous connaît, comment ben, voilà, moi, dire, nous, il y a un petit peu retardé, ou soit, on pas connaît qui, quelque chose qui lui fait. Comment dire, ça capable, plus convenient pour lui, qui pour Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous trouver là-dedans capable, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, comment dire, et donne madame là priorité dans convenience. Une autre question importante posée, qui fait, il n'est pas fini d'amener madame là dans la case, si j'ai nous causé? Non. Les fins amène-les dans une place publique pour les causer. Bon, nous fin apprendre avant qu'il n'est pas recommandé, il n'est pas bon, qu'il nous assise dans le rebo simé, nous causer. Tout ça là, il y a beaucoup de raisons. Nous fin expliquer, nous fin lire pas mal hadith là, dans Riyadu Salihin. Mais là, nous trouvons aussi qui, quand Dimon assise l'osimé, par exemple, il y a une place l'osimé qui nous fait assise pour Dimon assise. Et là, comment nous connaissons, surtout dans mon milieu urbain, dans ma dîne, hein, par exemple, dans la ville, et là, il y a une place que Dimon assise. Alors, possiblement, c'est une place que Dimon assise, bien sûr, il respectait toutes les conditions, il n'est pas faire son regard par aller, par exemple, il n'est pas faire une obstruction à Bandimon, n'est pas fait aucun dito, dans aucune façon à Bandimon. Là, il y a peine un problème capable à saisir. Alors, question là, venue donc, qui fait pas final d'une place privée? Madame Lena, qui soit privée, vous causez? Qui fait un amène-lit d'une place publique? Là, nous venons loin quelque chose d'important qui appelle Khalwa. Khalwa,
l'évêque a beaucoup à faire, mais dans ce contexte-là, c'est qu'il y a un missier avec une madame étrangère. Ça veut dire qu'il y a une relation mahram en Dieu. Khalwa veut dire je te reste dans un espace fermé tout seul. Ça, pas gain droit. Ça, quelque chose là, il est haram. Et un monsieur et une madame, je te reste dans un espace fermé. Ça veut dire que les autres dix mounes pas trouvé, pas tendé, pas gain accès. Ça, pas gain droit. Et là, beaucoup fois, beaucoup de monde retrouvent dans une situation comme ça, sans mauvaise intention, bien sûr, sans mauvaise intention. Mais même sans mauvaise intention, même avec meilleure intention, pas gain droit. Est-ce qu'il y a un monde capable d'avoir une meilleure intention qui est Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam? L'île, montrez-nous là. L'espace privé avec madame, ghair mahram, non. Alors, mettez-le dans l'espace public. Alors, comme ça, beaucoup fois, arrive-nous. Pébizin. Hein, madame là, il pébizin cause une quelque chose. Alors, il n'y a pas beaucoup à cause ça devant les autres dimons là. Khalwa, nous pas beaucoup capable de faire, parce que, comme un Rasul, sallallahu alayhi wa sallam, dit, fais attention avec khalwa. Quand un monsieur avec une madame, je te retrouve tout seul, ghair mahram, retrouve tout seul dans l'espace fermé, shaitan vient ensemble. Je ne pas tout seul là, et il y a un troisième avec vous là. Qui c'est là? Shaitan. Bien sûr, Allah peut guetter. Shaitan ensemble avec vous là. Alors, pas connaître que le problème là capable, soit aussi capable de venir. Ou capable de venir avec meilleur monsieur, avec meilleure madame. Ou capable de venir du monde qui a bon l'intention, pas du tout mauvaise intention. Mais seulement Shaitan vient troisième. Shaitan pour faire ce désordre. Alors, il y a du monde, quand vous dites ça, vous sentez offensé. Qui est là? Qui peut penser là au moins? Pas faire ma confiance? Qui comme ça, moi, mauvais du monde? Non, pas ça. Personne ne peut dire qu'il n'est pas bon, qu'il est mauvais. Personne ne peut dire qu'il est une mauvaise intention. Mais un principe, c'est un principe. Pourquoi connaître que Shaitan fait ce désordre? Capable, sans monsieur, sans madame là, pas fini dans un rien mauvais qui finit passer en Dieu. Mais vous ne connaissez pas un dimon par là, une trouvé qui tel monsieur fin rentre telle place, tel madame fin rentre telle. Dès que cela bouche, il dit une parole, une mauvaise parole. Ça finit aller. Vous ne connaissez pas quand c'était des autres, ça capable faire. Ou soit des autres là, il est capable, vous ne connaissez pas quand il sorti. Il y a Shaitan là, dans Shaitan, il est ingénieux, Shaitan, il faut le mettre des autres. Alors, vaut mieux faire attention. Après, un principe, c'est un principe. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il montre-nous là, respecter le principe. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire? Si jamais, un dimon lui vient cause quelque chose de privé, une madame lui vient cause quelque chose de privé, avec un monsieur qui est mahram, ça veut dire, idéalement, les causes lui devant tout le monde. Mais seulement s'il est privé, pas pourquoi, mais lui devant tout le monde. Les autres dimons, il ne faut pas attendre. Alors là, ou soit, depuis côté madame là, ou soit depuis côté monsieur là, un dimon vient, ou soit un autre monsieur là, ou soit une madame là, son mahram. Idéalement, madame là, il prend un mahram, il vient, son papa, son monsieur, son garçon, son. Il vient, il met là. Donc, comment il y a un troisième dimon là, correct, ça, haram là, il est enlevé. Ou soit, si pas pour capable, il y a un troisième dimon, au moins, mettre-le dans l'espace public, que personne ne peut attendre, mais seulement, tout dimon peut trouver. Pas pour capable, il y a aucun quelque chose, et personne pas pour capable faire blâme, là. Personne pas pour capable dire, je tiens tout seul dans telle place, non. Voilà, les publics devant tout le monde. Qui se peut causer, personne ne peut pas attendre parce qu'il s'en est privé. Ça, donc, un exemple qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam de nous. Il n'est pas définitivement, parce qu'il n'y a aucun quelque chose de mauvais, mais seulement, il fait montrer nous l'exemple, il fait montrer nous ça, l'enseignement. Et bien sûr, l'autre quelque chose bien important qui nous apprend là-dedans, c'est l'humilité de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. L'humilité qu'il fait démontrer. Lui, grand statement, hein, du monde plus important qu'il y en a. Dans Madina, du monde plus important qu'il y a dans le monde. Il est busy, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses. Une madame comme ça vient de lui, il n'y a pas de tourner les dos, il n'y a pas de dire pas gagner le temps, il n'y a pas de dire tout ça là. Qu'il vient de faire? Il vient de mettre une quelque chose qui est dans la convenience madame là et il vient d'aller écouter lui. Et les autres hadiths montrent-nous, par exemple, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Anas lui-même, radiyallahu anhu, c'est lui qui rapporte ce hadith là, il rapporte un autre hadith. لجيه كي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتي meilleur parmi tout bon jimon dans la gentillesse et tu plus gentil لطف so adjectif bin latif ça veut dire latif c'est un jimon qui doux qui gentil alors le tu plus gentil dans tout bon jimon لجا والله ما كان يمتنع في غدات باردة من عبد ولا أمة أن لفيشون مانشوني ولا صبي أن يأتيه بالماء لجا مم كي دان أن غماتان كي بفي أفري لجا والله زامي لفي نمبش كي كان أمن دلو
les là qu'il fait, fayaghsilu sallallahu alayhi wa sallam wajhahu wa dhira'ayhi, qu'il fait les rinces aux figures, les rinces aux les bras. Donc dis-moi, tu peux amener de l'eau pour lui, il n'est pas, tu peux refuser, tu peux accepter ça de l'eau là. Ou soit il est capable de dire aussi, il peut donner dis-moi de l'eau si dis-moi de besoin. Donc jamais il peut dire non, si pas moi, il a mieux à faire, ou soit mon fini, rincé, non. Quand dis-moi, il a amené, alors une façon de dire, il fait dis-moi la plaisir, il prend de l'eau là, il servit. Sallallahu alayhi wa sallam. Il continue, il dit, Anas continue, radiyallahu anhu, wa ma sa'alahu sa'ilun qat illa asgha. Et n'importe qui dit monde qui fait une dimanli en quelque chose, il écoute dit monde là bien. Falam yansarif hatta yakuna huwa alladhi yansarif. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, tant qu'il dit monde là causé, il continue à écouter, il pas tourne les deux, il pas aller en premier lit. Dit monde là premier tourne les deux aller. Ça veut dire quand il y a une conversation là, là premier dit monde là qui aller. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il parle premier lit. Wa ma tanawala ahadun yadahu qat. Illa nawalahu iyyaha. N'importe qui s'en là, qui finit prendre sur la main, qui finit donner la main, alors, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, lui donne la main, il pas risque sur la main, il pas tire sur la main. Fala yanza'uha, ou soit yanzi'uha, hatta yakuna huwa alladhi yanzi'uha, ou soit yanza'uha minhu. Lui, il pas tire sur la main en premier. L'autre dimon là tire sur la main avant. Là, il est tiré. Ça veut dire, il montre nous qui dans la compagnie devant les autres dimon, il n'est pas montré qu'il n'est pas dans les temps, qu'il est trop pressé, qu'il est trop important, il n'est pas capable de donner ça dans la main, il n'est pas capable d'écouter ça dans la sous-causé, il n'est pas dans les temps pour tout ce qu'on a fait là. Non. Il atteint avant du monde, il donne zut sur l'attention, il donne zut sur considération, il donne zut sur gentillesse. Jusqu'à avant du monde là, zut même en premier, zut aller. Il n'est pas sorti, il n'est pas allé en premier. Ça, c'est l'exemple que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous. Alors, nous, quand nous étions vis-à-vis ça, bien souvent, nous trouvons qu'un tel pas mérite nos considérations. Ça ne l'a là, mon pas gagné le temps, écoute-lui. L'autre là, il pas trop important, ça, ou ça, c'est pas un dimon important. Et la fin, nous pas dire, lui, mais dans la subconscience, nous finissons, nous finissons catégorisme un dimon. Ça ne l'a correct, important, ça, moi, un bénéfice pour gagner avec lui. Alors, moi, pour écouter là, les pour téléphoner, les pour causer un temps, pour pas un problème. Ou soit quand il dans les bizarrement, on a tous les temps pour lui, parce qu'il y en a l'intérêt avec lui. L'autre là, moi, pas aucun l'intérêt avec lui. Pas pour gagner rien avec lui, ça. Alors, pas gagner les temps. Il téléphone moi, moi, pas prendre son call. Moi, pas retéléphone lui. Ou soit, quand il peut causer avec moi, moi, pas le temps pour lui. Non, mais il peut perdre mon temps. Moi, on a mieux à faire. Alors, ça, nous, qui pas, vous n'en rien. Qui pas n'en rien, divan, Rasoulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, nous n'avons pas une réaction comme ça. Alors, tout ça là, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, finit de nous une grande leçon. L'humilité. Les grands qui lit, pena, mais seulement en même temps plus humble qu'il y peine. Alors nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala tire ta kabbour dans nous, tire ça, hein, nous allons d'une façon, hein, une fois subconsciemment nous mettons en pratique. Alors ça, c'est une affaire bien dangereuse, bien grave, bien sérieux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala purifie nous les cœurs, purifie nos mentalités, nos façons de penser, purifie nos banagissements, qui tire ça, l'arrogance, sa fierté là dans nous. Qu'il donne nous un petit peu la qualité de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'il donne nous l'humilité, et fait nous une vraie mu'min, une vraie musulmane, comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, financez nous. Wa akhiru da'wana, an alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi, wa barik wa sallam.